Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour la vente de cannabis. Par rapport aux autres, ça ne rapporte pas énormément, mais ça complète, mes amis, ça complète. Ah, le bateau. Okay, it's a boat drop. Products loaded and waiting. They'll pay more for it if you get it to them quick, so, Ok, c'est parti. Donc, ce sera aussi pour le bateau, hein. Hop, du coup, je renvoie la voiture. Je vais prendre mon oppresseur MK2 pour aller plus rapidement. Elle est bien stationnée, hein. Allez, c'est parti. Je vais aller au bateau. Donc, il se retrouve l'autre côté de l'île. Bon, cette fois, je vais essayer de ne pas faire tomber à l'eau, hein, mon oppresseur. Hop, voilà. Mais parce que j'en ai besoin pour tout à l'heure. Parce que là, c'est pas du tout le même emplacement pour la vente. Et c'est pas, si on peut remonter, mais ça prend énormément de temps. Comme la dernière fois, j'ai un bateau, mais sauf que là, c'est pour la vente de cannabis, comme j'ai mentionné tout début de la vidéo. Et normalement c'est un peu plus difficile parce que les endroits ils sont plus étroits, mais quand même avec un peu d'entraînement on peut tous y arriver. Donc le premier point c'est pas trop loin, hein. Le premier point c'est juste à côté, mais après c'est au fur et à mesure que ça devient plus en plus difficile. Vous allez voir qu'il va avoir des endroits très étroits. Voilà la première. Et aujourd'hui, je pense que je vais pas arriver à avoir la totalité de primes, hein, de livraison, parce que je vais sûrement être en retard un peu par rapport au temps. Donc là, je vais continuer tout droit. Je vais traverser, enfin, sur le pont. Et là, c'est à partir de là que ça commence à être difficile. On va avoir des rochers à éviter. Il va avoir, bah oui, surtout des rochers à éviter et rouler plus tranquillement par rapport en pleine mer, quoi. Donc ici, voilà, vous avez bien vu que il y a des rochers en dessous, hein. J'ai pas vu au début. Là, hop, et c'est à partir de là qu'il faut faire attention. On a deux choix, soit choisir côté droit, soit choisir côté gauche. Voilà, moi je choisis du côté gauche. Hein. Voilà, ici, voilà, regardez sur la carte à gauche de votre écran. Vous avez vu que c'est une rivière, hein, c'est plus la mer. Donc là, on va aller vers la mer justement. Hop, voilà, là il faut pas appuyer sur l'accélérateur, il y en a qui s'en foutent, mais. Moi, j'aimerais bien avoir la totalité de mes marchandises. Hein. C'est ce qu'il faut, en tout cas. Hop, voilà. Ici, encore un petit endroit. Et c'est pas l'endroit le plus dangereux encore. Hein. Et c'est le plus bas. C'est plus bas qui est plus dangereux. C'est vers ici. Là, ici, là, il faut vraiment faire attention. Sinon, le bateau, il risque d'être embourbé. Et c'est pas le but aussi. Hop, ici, c'est bon, on arrive. Voilà, c'est bien ce que je disais. En bas à droite, ça m'a enlevé 20 dollars, enfin 200 dollars. Chaque perte de temps, ça enlève 200 dollars, mais bon. Après, c'est pas ce qui me préoccupe. Hein. Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'avoir le temps nécessaire, suffisant pour tout livrer. Donc là, je suis arrivé en pleine mer, donc il y a pas de raison que je sois être en dérangé. Voilà, je suis arrivé dans un point où je suis, on va dire, plutôt tranquille, mais sauf que ils mettent un petit peu plus près du sable. C'est ça aussi qui est un petit peu. Il faut faire attention. C'est que si je prends le sable, donc le bateau, il va pas forcément. Allez, retourner en mer. Ah, j'ai encore perdu 200 dollars. Ah, je pense que je vais pas avoir mes petits bonbons et mes petites glaces aujourd'hui. Après, ouais, c'est pas trop grave, hein. C'est pas vraiment grave.
Mais ça fait mal quand même de perdre 3 000 $. 3 000 $, c'est rien dans GTA, hein. C'est pas comme dans la vraie vie. Hein. Là, c'est on vise plus le 500 000 et les millions, quoi. Enfin, 100 000 et 100 000, 200 000 et 500 000 et 1 million. Voilà, première livraison terminée. Maintenant, je vais retourner vers le point de récupération des marchandises et pour ça, bah, je suis obligé de recommander mon oppresseur, aller vers mon oppresseur. Voilà. Après, c'est une petite question d'habitude. Hein. Là, ça m'a mis quand même 6 minutes pour y aller. Donc, 6 minutes et 6 minutes. Donc, j'ai largement le temps hein, pour terminer. Enfin, j'ai moins de temps que la dernière fois, c'est évident. Mais j'ai quand même le temps pour tout finir. Ça m'a mis 2 minutes le temps de revenir. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça. Oh là, oh là, oh là là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mon personnage? J'étais près du sol et elle a trouvé le temps. C'est le petit bug de temps en temps hein, qui arrive sur GTA. Au moment où on descend du véhicule, bah, on se fait la malle. Allez, c'est parti pour cette deuxième livraison que j'espère que ça va bien se passer. A priori, oui, hein, parce que normalement, je fais attention. Là, je suis toujours tout seul hein, pour faire la livraison. Et sur la map, comme vous avez vu, je suis tout seul aussi. Hein. C'est le mieux. Et là, en fait, pour chaque livraison, j'ai oublié de préciser que pour chaque livraison, vous avez 3 000 $. Donc en tout, si on calcule bien, c'est 9 000 $ par livraison. Donc ça va. Même si je perds, comme tout à l'heure, combien? 600 $. Donc je perds pas grand-chose, on va dire. J'ai presque gagné quand même la totalité. Mais bon, là, je peux pas aller plus vite, hein, parce que sinon, c'est risque et péril, et voilà. Vaut mieux faire attention qu'aller comme une grosse brute et tout perdre, quoi. Je passe sous le pont, hein, ce pont, c'est vraiment très, très spécial, parce que, en général, les fins de mission, ça finit toujours par ici. Et je sais pas d'ailleurs ce qu'il y a après, c'est ce pont, mais... Ici, le pont, c'est le pont emblématique. Donc là, j'arrive avant la dernière, hein, livraison de cette deuxième, enfin, de ce ba de, deuxième bateau de livraison. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une calandre maintenant sur le bateau, ce qu'il n'y avait pas avant. Enfin, je n'ai pas remarqué en tout cas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ça a été ajouté, mais avant, j'avais remarqué, enfin, je pense, hein, parce que là, il y a deux calandres. Voilà, il y a un calandre, je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, je vois que le bateau, il saute moins qu'avant. Ça tient mieux les vagues. En tout cas, c'est plus plaisant à piloter que. Enfin, à piloter. Oui, piloter, je ne sais pas si. Naviguer, ouais, plus à naviguer qu'avant. Là, il bouge moins qu'avant, quoi. Donc du coup, ça va plus rapidement et c'est plus agréable. J'espère que les autres véhicules, ce sera pareil, ce sera aussi modifié par rapport au moteur, hein, ce serait bien. Ça commence à faire jour. On va bien voir maintenant le paysage, hein, enfin, je l'espère, pour cette dernière livraison. Il me reste 13 minutes. Bon, même si j'étais pressé, enfin, je pense pas que je suis pressé, donc le 13 minutes, en théorie, s'il me fait 6 minutes pour y arriver, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là pour la finition de la livraison. Donc, normalement, ça doit me rapporter 250 000 $. Mais avec les primes, je pense que ça va un petit peu augmenter. On verra bien d'ici là ce qu'ils vont me donner. Mais si vous faites les livraisons comme ça, à 4, c'est mieux. Parce que ça va beaucoup plus vite. Mais bon, après, pour les autres joueurs, je pense que c'est pas
vraiment très bénéfique parce qu'il y en a qui vont être jaloux, qui vont dire pourquoi il n'y a que lui qui va faire livraison. Mais en général, si l'équipe s'entend bien, on peut s'alterner. Mais le temps, la journée, ça passe très très vite. Il y en a qui n'ont pas forcément le temps d'attendre. Parce que même si à 4, ça prend énormément de temps pour faire de la livraison. Mais bon, si chacun de son côté déjà fait le nécessaire, c'est-à-dire acheter les matières premières et laisser le temps que ça finisse. Comme ça, tout le monde se met d'accord pour vendre à chacun de leur tour jusqu'à ce que tout soit fini. C'est bien. Mais s'il y en a un qui galère et qui n'arrive pas à acheter les matières premières, et là, ça reste problématique. Avant, oui, je n'achetais pas parce que je pensais que c'est perdre de l'argent, mais bon, après c'est le jeu, hein, c'est comme en vrai, plus on vend, plus on gagne de l'argent. C'est ce que j'ai remarqué maintenant. Parce que moins on vend, en fait, même si on ne paye rien, on ne fait pas plus de bénéfices que ça. Parce qu'on perd de temps, tout simplement. Tandis que on achète les matières premières. On vend plus rapidement parce que ça charge plus rapidement, c'est ce qui est tout à fait évident. Et voilà. Donc c'est en achetant que ça va beaucoup plus vite. Mais certes, on perd 1 million pour chaque. Enfin, 1 million, on va dire, la totalité, hein, d'achat pour les matières premières. Mais derrière, on gagne 4 millions, quoi. Donc on perd 1 million de bénéfices, mais c'est pas trop grave, ça. Parce qu'après, on garde quand même les 3 millions. Et dans la semaine, ben, si on fait 4, 5 livraisons dans la semaine, allez, pour moi, c'est le maximum, c'est 4 livraisons par semaine. Si on reste tout le temps dans le jeu, c'est 4 livraisons par semaine. Moi, je ne dirais pas plus, sauf si quelqu'un qui fait des glitches ou autre chose. Mais pour les joueurs normaux, normalement, et encore là, je dis encore un truc un peu au-delà de la réalité, quoi. Après, il faut vraiment compter pour savoir, parce que moi, je compte pas, hein, je compte pas, et puis je suis pas H24 non plus sur le jeu, quoi. C'est pour ça que je connais pas vraiment combien on peut vendre par semaine. Mais en tout cas, pour le peu de moments où je suis sur GTA, ça m'empêche pas d'être riche, quoi, d'avoir tout ce qu'il faut sur GTA. Et puis je suis tout seul, enfin la plupart du temps je suis tout seul, parce que la majorité, et voilà. Donc ça m'empêche pas d'avoir quand même un petit business tranquille, quoi. Voilà, je m'approche de la dernière, de le dernier point. Pourquoi je dis la dernière à chaque fois, je ne sais pas. Ne cherchez pas. Et du coup, bah, je vais encaisser la totalité. Il me reste 9 minutes. J'ai eu le temps. Donc, je disais 250 000. Donc là, j'ai eu 16 000. 16 000 en plus. Hein, c'est bénéfique. Normalement, j'aurais plus. Mais voilà, si j'additionne la totalité par rapport à la dernière fois, voilà, j'ai quand même eu de. Quelques bénéfices. Du coup, je vais descendre, je vais commander mon oppresseur et je vais dissoudre parce que sinon ça va me faire comment dire défendre mon marchandise, et ça c'est vraiment problématique. Une fois que vous mettez ça, ils vont mettre d'un filet, et du coup si vous avez quelque chose à faire, vous allez être emmerdé tout simplement. Donc la bombe métaphine, voilà, ça prouve que j'ai acheté, hein, les matières premières. Et du coup, au long du job, il me prévient comme quoi les matières premières, ils sont arrivées. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben il suffit d'appuyer sur en bas à droite de s'abonner. Et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!